Au Brésil, nouvelle journée de manifestation anti-Dilma. La présidente Dilma Rousseff pâtit de plus en plus du vaste scandale de corruption de Petrobras qui éclabousse sa coalition de centre-gauche. Son prédécesseur Lula est également dans la ligne de mire de la justice. Elle a déjà procédé à de nombreuses arrestations dans cette affaire sur le géant pétrolier. Réélue difficilement pour un second mandat de 4 ans à l'automne dernier, la cote de popularité de Dilma Rousseff est tombée à 8%, la plus basse depuis la fin de la dictature militaire en 1985. La présidente a exclu mercredi dernier de quitter ses fonctions, malgré la pression de l'opposition et alors que le Brésil est au bord de la récession et contraint d'appliquer une cure d'austérité. C'est dans ce contexte tendu que les manifestations de ce dimanche visent à réclamer de nouveau la destitution de la présidente.